كاملين خصنا نخدموا باش نطوروا المكانه ديال المراه. كل ما المراه حست بالامان كل ما كتكون منتجه اكثر للمجتمع ديالها. نقدر دابا حتى انا نحل المشروع ديالي وتجي عندي كليانتي وهي فرحانه. Rabat, patrimoine mondial de l'UNESCO, se hisserant des capitales du monde. La ville des Lumières est au rythme d'une expansion urbanistique et spatiale à l'image des capitales mondiales. Une évolution architecturale certes remarquable, mais il ne profite pas aux femmes. La médina de la capitale est un patrimoine civilisationnel reconnu par l'UNESCO. Un patrimoine pas suffisamment sûr pour la gente féminine, un constat en passe de changer grâce à une initiative innovante, un partenariat entre ONU Femmes et l'association Jossour, un carrefour de femmes qui passe à l'action. La déclaration de Pékin pour la promotion de la femme et de l'égalité des sexes était leur point d'appui. Tout a démarré avec des réunions de consultation suivies d'un diagnostic de la réalité, puis d'action sur le terrain. L'idée se base sur la valorisation du cadre urbanistique et de son attractivité pour le rendre plus sûr et donc plus accessible aux femmes. Et parce que la femme est une partie intégrante de ce projet, les habitantes de la médina de Rabat ont été mises à contribution. Nous sommes dans l'une des ruelles de l'ancienne médina. Fleurir ma médina est une composante majeure du projet. بما انني كنسكن في هذا الحي هذا كنشكر جمعيه جسور اللي رجعات وهكا زوين وكنتمنى السكان ديال هذا الحي يحافظوا عليه. Un réaménagement doublé d'un embellissement des quartiers, un coup de lifting apprécié par les résidents et les passants. تبارك الله الشباب جاوا كل مدينه مغربيه جاوا ساهموا عملوا لنا المحبقات وتبارك الله هذا الشيء غزال. Changement du décor, l'École nationale d'architecture. Ici, un concours a été organisé pour sélectionner les meilleurs plans d'aménagement pour des magasins attractifs. Nous avons travaillé sur les matériaux pour que nous puissions sécuriser pour la femme ou créer un guide pour qu'elle puisse être utilisée dans d'autres modes. Nous avons essayé de les aider pour nous proposer un aménagement qui est ciblé les magasins ou l'espace urbain de façon à ce qu'ils puissent se sentir aminés. L'approche genre est fort présente. 6 plans d'aménagement, 12 étudiantes, des brillantes idées difficiles à partager. Seuls quelques détails ont été déterminants pour sélectionner les gagnantes du concours. Les étudiantes en architecture, ils ont atteint l'objectif, c'est concevoir des espaces de commerce, de vente pour les femmes. Sur différentes voies, différentes ruelles, différents espaces. Donc on a vu une richesse quand même extraordinaire de conception, beaucoup de sensibilité, beaucoup de réponses au niveau de la sécurité. La démocratie dans la gestion a poussé l'association Jossour à faire participer l'ensemble des acteurs avec l'objectif de concevoir des espaces sûrs pour les femmes. Ces ateliers ont rassemblé des architectes, des étudiants, des élus locaux, des politiques et des acteurs associatifs. Tous ont mis en partage des propositions visant la consolidation de l'approche genre dans les espaces publics. À l'issue d'une série de réunions et d'ateliers, des recommandations ont été émises. L'expérience Fleurir ma ville est un succès, le projet fait vivre des émules, sa deuxième phase est tout aussi un succès retentissant. درت دابا حتى انا نحل المشروع ديالي وتجي عندي كليانتي وهي فرحانه حيت علاش شايفه الدنيا كي دايره مبهجه غتجي حتى هي في امان واش فهمتي الدنيا رقيقه وغزاله ما غتخافش. هذه المبادره اللي داروا تبارك الله عليهم صلحوا المدينه والديور وكنحسوا براسنا مرتاحين والامان وحتى الكبار كيجيو عندنا لهنايا الرياضات كلشي كيعجبو الحال فرحانين حنا بهذا الشيء. Rien n'est laissé au hasard. Jossour s'active pour l'avenir et à l'agenda du futur, la promotion de la culture de l'égalité et du respect de la femme auprès des générations montantes.
تزيين الاحياء القديمه هي واحد الوسيله واحد الورش الذي يساعد المراه على الانتاجيه اكثر وعلى انها تدير عالم ديال المقاولات ديالها وسط الاحياء الشعبيه. المراه هي كانت اللي هي بدورها ولات كتقدر تخرج تدور تمشي تقطع على خاطرها. مهم كاين واحد الامان، ما كاينش زعما خوف. كتحس براسها اكثر ثقه في وهي كتمشى في الاحياء ديالها، كتحس براسها انها ممكن تكون معطاءه اكثر حتى على الجانب الاقتصادي، ممكن انها تفتح مشاريع، ممكن انها تقوم بالاستثمار. وبالنسبه لي تجميل هذه حي احسن رمز للامين ديال النساء هنا في مدينه ديالنا. Des femmes dans des espaces sûrs, c'est la finalité à laquelle aspire ce colloque international. Un maillon de taille dans la chaîne de la réflexion sur une occupation saine de l'espace public par la femme. Une ville inclusive, sûre et sensible au genre, un débat fructueux, éclairé par la participation d'experts de renommée internationale. Il s'agit d'une initiative mondiale qui a été donc développée par ONU Femmes et qui s'est élargie aujourd'hui à plus de 50 villes à travers le monde et qui consiste à travailler avec les acteurs de la ville pour rendre l'espace public plus sûr pour les femmes et les filles. Quand on dit un espace public plus sûr pour les femmes et les filles, et qu'on le sécurise bien entendu, on impacte automatiquement sur leur investissement de l'espace public et par conséquent sur leur possibilité d'accès à un emploi, pour travailler, pour jouir des espaces de loisirs. Este foro en Rabat es importante en dos vías. En primer lugar, porque nos interesa mucho a los que estamos estudiando esta materia en otros lados y en otros países saber lo que se está avanzando en Rabat y también para Rabat, porque es muy importante las experiencias de otros países, de otros municipios en África y en el sur de Europa para implementarlo en esta ciudad y potenciarlo hacia lo internacional. This initiative is fantastic because it brings women together, stakeholders, civic engagement and all that to discuss things that will make the city safer for women and more secure for women. It's a fantastic idea. Une réflexion planétaire cristallisée dans le respect des spécificités locales. Un principe fondamental consacré par l'ONU et exécuté avec brio par Josour. Rabat, ville sûre, sans violence à l'égard des femmes et des jeunes filles. Une ambition légitime de toutes les femmes.